Good morgen, allez, Dan et sera aujourd'hui le Nishmat Avam Chayin Orbeo Ben Fortuné Mazal, Yedida Bet Esther, Yaakov Nissim Ben Chana et Machlouf Micha Ben Masouda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Meseret Ketout, Perigimel Mishnah Delet. Yashochel Achila Achat Vechayav Alea Arba Chataout Vehasham Echad. Tamé Shachal et Achelev, Vehaya Notar, Mina Mugdashim, Ovio Makipurim, Rabbi Meir Omer, Imaita Shabbat, Veotzio Befiv, Chayav, Amrulo, Eno, Min Hashem. On va commencer par traduire la Mishnah, ce qui est écrit dans la Mishnah, sans soi-même très simple et très compréhensible, mais comme vous pouvez voir, Bartanora commence à tartiner énormément pour nous apprendre des notions très importantes qui vont nous concerner pour toute la fin, toute la suite du Pérec, et ça va prendre des proportions un peu fortes. D'accord? Pour le moment, je traduis « Yesh ochel achila achat v'chaya valea arba chataot ». Il y a quelqu'un qui peut manger une chose, une seule chose à manger, et que sur ce même kazaït qu'il va consommer, eh bien, Vechaya Valea Arba Khatot, il va être passible d'apporter en expiation 4 korban khatat, et même Vehasham Echade, un korban Hasham. Le cas de figure, comment se présente-t-il? Tamé, une personne qui était impure, Shachal et Achelev, qui a mangé une graisse interdite, Vehaya Notar, qui était un reste, Vehaya Notar Minamugdashim, qui était un reste de Korban, ou Yom Kippourim, et que c'était Yom Kippour. C'est-à-dire, en fait, il y en a, le but de la Mishnah, de me dire, sache que, tu sais, une action, c'est passible d'un Korban, mais des fois, tu as une seule action qui est passible de 4, voire 5 Korbanot. On apprendra dans la prochaine Mishnah, il y a même 6 et 7 Korbanot sur une seule action. Pourquoi? Parce que cette même action, elle est interdite par plusieurs interdits qui vont la rendre. On va prendre un cas, il y avait un korban, on apporte un korban shlamim, vous savez bien, dans un korban shlamim, il y a des graisses qu'il faut faire monter sur le misbéach. Ces graisses-là, on n'a pas le droit de les consommer. Maintenant, on a laissé traîner, on n'a pas apporté le shlamim en temps et en heure. Le shlamim, les graisses, il fallait les brûler dans la journée qui suit et jusqu'à la nuit qui suit. Je crois qu'il n'y a pas le lendemain pour les graisses, même si le shlamim il prend 2 jours. Mais donc, on était limité par le temps. Et on a dépassé les limites de temps maintenant. Et on a encore cette graisse. Donc, cette graisse-là, il ne faut plus la faire brûler sur le misbéach en théorie. Quelqu'un est venu et l'a mangé. Alors que cette personne-là, il était lui-même, il était impur. Et c'était Yom Kippour. Vous voyez un petit peu la totale? Donc, venez, on fait le décompte. Tout d'abord, par où je commence? D'abord, le fait de manger une graisse interdite. Alors, on est passé dans le karet. Tu n'as pas fait attention, tu l'as mangé. Et c'était Yom Kippour. Yom Kippour, si on mange un kazaït, on aussi chayav karet. Et à part ça, en plus de ça, c'était un reste de Korban. Donc si c'était un reste de Korban, non tard, on a dépassé les limites de temps, eh bien on est encore une fois passible d'un chayav karet. Et même mieux que ça, tu étais impur pour manger quelque chose qui était kadosh, alors encore un nouveau Korban. Tout ça, c'est 4 hataot. Et à part ça, c'était 4 hataot qu'on avait déjà appris dans la Mishnah de Shloshim Meshach Kritut, dans la première Mishnah de la Masechet. Mais mieux que ça encore, tu te rends compte que c'était kadosh. Or, tu as mangé quelque chose qui était kadosh, il y a Hasham Meilot, un korban Hasham. C'est le principe de la Mishnah, et si déjà on va tout de suite continuer d'abord à découvrir toute la Mishnah au niveau simple, après on va expliquer le principe du Bartanora, et Bezrat Hashem, on aura fini pour aujourd'hui. Il y a Rabbi Meir maintenant qui vient et qui en rajoute encore un, en réalité deux sur la liste. Rabbi Meir Omer, Im Haïta Shabbat Veotzio Befiv, si c'était Shabbat et qu'il l'a fait sortir dans la rue en le mangeant dans la bouche, Chayav, il sera condamnable aussi, passible d'un nouveau Kriouv Korban à cause de Shabbat. Et le Bartanora nous apporte, on a Gemara, qui sont aussi Chayav à cause de Yom Kippour, parce que Yom Kippour, on n'a pas le droit de porter non plus. Donc en fait, Rabbi Meir nous dit comme ça. Il nous dit, il a pris, lui, il avait mis ce bout de chélette qu'on était chez lui dans la bouche, et il est quand il a commencé à sortir dehors, et donc il le mâchouille dans la bouche, il le mâchouille pendant qu'il marche dans la rue, et puis à un moment il l'avale. Au moment où il va l'avaler, alors il va être Chayav, il va finir sa Melacha de Shabbat. Pourquoi? Parce que pour Shabbat, vous connaissez un petit peu le principe, dans l'occasion de découvrir dans ma Sechet Shabbat, dans ta chaîne, qu'il faut toujours faire Akira, Hotsa'a, Ve'anacha. Chaque fois qu'on doit porter pour Shabbat, pour être passible du Chiyuv Korban, il faut 3 parties, en réalité. Faire sortir un objet de Shabbat, c'est le prendre du domaine privé au domaine public, au marché 4 à mode 4 coudées dans le domaine public, mais à condition qu'on a débuté l'action en prenant soi-même l'objet qui était initialement une place fixe, on l'a pris, et puis après, lorsqu'on est sorti dehors, on l'a déposé. À exclure, si par exemple je l'ai pris, je suis sorti dans la rue, mais quelqu'un est venu me l'enlever de la main, je ne serais pas passible du korban. D'accord? Il faut
Akira, Otsaa, Hanacha. Trois étapes. Déraciner, prendre de là, déplacer, et puis reposer. Le chidouche de la Mishnah de Rabbi Meir, il est que quand on mange quelque chose dans la rue, le fait de l'avaler, c'est considéré comme si on l'a posé. Donc, tu étais chez toi, tu as commencé à manger ton bout de viande, tu es sorti dans la rue. Pour le moment, le bout de viande qu'on a dans la bouche, on est en train de le porter. On a déjà pris de la table, on l'a mis dans la bouche, on est en train de marcher, on le déplace. Au moment où on va l'avaler, c'est considéré comme la nacha, on sera passible d'un korban khatat. Tout le monde est d'accord sur la règle qui est écrite dans Rabbi Meir, et, comme on a précisé, à cause de ça, tu seras aussi bien de Shabbat, pour Shabbat, un khatat supplémentaire à cause de Shabbat, et un deuxième khatat à cause de Yom Kippour. Il y aura un khatat de Kippour à cause de le fait que tu manges, et un deuxième khatat le fait que tu portes un Shabbat. Maintenant, Chachamim ont rétorqué, on dit non, on n'a pas voulu considérer cet interdit-là. Pour quelle raison? Amroulo, Chachamim l'ont rétorqué. Et non, Minachem, il ne fait pas partie de la série, il est pas, il ne vient pas à... Littéralement, il n'est pas, il ne fait pas partie des noms. Ça veut dire quoi? Nous, on est en train de te parler de l'interdit de manger. Toi, tu m'as parlé d'un interdit de déplacer, de porter. Alors, il est vrai que c'est l'interdit de porter, tu vas le transgresser bidiouk, exactement au moment où tu vas avaler. Mais l'interdit, ce n'est pas un interdit de consommation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de chercher, de dénombrer les interdits de consommation. Ok? Voilà pour le principe de la Mishnah. Mais en réalité, il y a, en off, par derrière, un sujet très important qui est développé ici dans le Barthénora. Et préparez-vous pour demain, on va avoir une grosse Mishnah. Dormez bien la nuit prochaine, levez-vous, buvez un bon café, et puis accrochez-vous. Ce sera un petit cassement de tête pour comprendre le cas. Mais vous savez bien, je présente bien la chose, vous allez tout comprendre. Mais à condition d'arriver en forme. Pour le moment, donc, maintenant, on va introduire une notion très importante. Une notion tout d'abord de En Issur Khal Al Issur. Un interdit ne peut pas se greffer sur un autre interdit dans la Torah. De manière générale, cas classique, il y a un interdit dans la Torah de manger une espèce d'animal interdite. Du chameau, du lapin. À part ça, il y a un interdit dans la Torah de manger une nevela. Kol nevela l'otochelu. Un animal qui est mort, qui n'a pas été égorgé. On est passible d'un corban. On transgresse un interdit de manger une nevela. D'accord? Eh bien, imaginez que j'avais un petit lapin qui est mort et je l'ai mangé. J'ai apparemment transgressé deux interdits. L'interdit de manger du lapin et l'interdit de manger un animal qui n'a pas été égorgé. Donc ça fait deux interdits. Eh ben non. Il n'y aura qu'un seul interdit dans ce cas de figure. Que l'interdit de ne pas manger du lapin. Pourquoi? Parce que l'interdit de manger du lapin, le lapin, c'est déjà un interdit qui est présent. Lorsqu'après il va y avoir un nouvel incident qui va provoquer, en théorie, l'arrivée d'un nouvel interdit, eh bien, on a une règle qui me dit « En Issur Khal Al Issur ». Un interdit ne vient pas incomber, s'appliquer sur une chose qui était déjà interdite de toute façon. Ça, c'est une généralité très floue, où il y a plein d'exceptions à la règle. Trois exceptions à la règle qui sont explicitées dans le Barthénora. Le principe général va m'apprendre une chose. Que vous savez bien qu'il y a des interdits qui sont plus ou moins, qui contraignent plus ou moins de personnes, par exemple. On va prendre un cas concret qu'on étudiera dans la prochaine Mishnah. Ma belle-sœur. Imaginez, j'ai une belle-sœur, jeune fille. C'est la femme, la sœur de ma femme. Pour le moment, c'est une inceste pour moi, elle est interdite. Quand cette belle-sœur, elle va se marier, est-ce que je serai concerné par l'interdit de femme mariée, ou bien je transgresserai juste l'interdit? C'est du shalom, quelqu'un comme moi avait une relation interdite avec une femme pareille. Combien de korban khatat devra-t-il apporter? Un ou deux? Un, sur le fait qu'il a un rapport avec sa belle-sœur, ou deux, parce que sur le fait qu'il a un rapport avec sa belle-sœur et avec une femme mariée. Selon le principe théorique qu'un interdit ne s'applique pas sur un interdit, il ne faudrait dire qu'il n'y aurait qu'un seul interdit. C'était ma belle-sœur avant de devenir une femme mariée. Apparemment, moi, je ne suis concerné que par l'interdit de la belle-sœur. L'autre interdit ne me concerne pas. Eh bien, c'est faux. Il va y avoir ce qu'on appelle un issur mosif. Étant donné que lorsque la belle-sœur se marie, elle va être concernée maintenant par le fait de se marier, va faire que maintenant elle va devenir interdite à beaucoup plus de personnes. Puisque vous qui n'êtes pas son beau-frère, vous pouviez vous marier avec elle. Maintenant qu'elle s'est mariée, vous ne pouvez plus vous marier avec elle. Donc il y a eu un interdit de Echatish qui s'est appliqué sur elle. Puisque l'interdit de Echatish s'est appliqué sur elle pour vous, eh bien on va dire qu'il va s'appliquer aussi pour moi. Et réellement, si après il va y avoir un accident, eh bien on devra porter deux korban khatat. C'est ce qu'on appelle que j'ai fait ce qu'on appelle un issur mosif. Il y avait un interdit. On a rajouté sur elle une cause d'interdit qui va concerner, l'astreindre face à encore plus de personnes. Eh bien, ça va concerner tout le monde.
Il y a à part ça aussi l'interdit de Issour Kolel. Issour Kolel, c'est justement, on va tous les voir dans quelques secondes, je vais vous expliquer, on les aura tous dans la Mishnah là, déjà. Issour Kolel, on va prendre par exemple, il y avait, super, Yom Kippour. Initialement, je n'avais pas le droit de manger un morceau de viande interdite, le lapin. Yom Kippour, lorsqu'on entre le jour de Kippour, eh bien il me devient interdit de consommer tout aliment, même les aliments permis. Alors là, puisque le Yom Kippour va maintenant s'appliquer sur moi pour m'interdire tous les aliments permis, dans la même lancée, il va même interdire les aliments interdits. Vous avez compris le principe? Ouais, il y a ce qu'on appelle Issour Moussif et Issour Kolel. Le Barthénois, il utilise des mots pour expliquer. Ça, c'est Bechefza et ça, c'est Begavra. Issour Moussif, c'est que la chose elle-même, elle a eu une nouvelle cause d'interdit qui va, à cause de ça, l'interdire sur davantage de personnes. Donc, son interdit va se mettre à concerner tout le monde. Ça, c'est sûr, dans l'objet, donc c'est Issour Moussif. L'objet, il est devenu le Bechefza. Chefza, Chefetz, l'objet. Bechefza, l'objet, il est devenu maintenant encore plus interdit, puisque maintenant, il a fallu lui appliquer une nouvelle cause interdite qui va concerner certaines personnes. Donc, de ce fait, il va me concerner aussi à moi. Et il y a ce qu'on appelle aussi Issour Kolel, qui est Begavra. Que cette fois-ci, par rapport à moi, puisque maintenant, j'ai une nouvelle cause interdite, eh bien, pour d'autres aliments qui étaient permis, du coup, puisqu'on va interdire les aliments qui étaient permis, on va aussi interdire davantage les aliments qui étaient déjà interdits. Et de ce fait, la Mishnah, alors maintenant je reprends très rapidement dans les cas de la Mishnah, et il y a encore un dernier cas que je le laisse pour après, parce que c'est Rabbi Meir qui va l'évoquer. Et la Mishnah m'enseigne comme ça, tu sais, il y a un morceau de graisse interdite, pour le moment tu n'as pas le droit de le manger. Maintenant, tu vas sanctifier l'animal. Ouais, ça va devenir un corban. Alors premièrement, il va y avoir... Ah, tu as sanctifié l'animal. Dans ce cas-là, même les parties de la viande qui étaient permises, elles vont devenir interdites. De ce fait, même la graisse qui était déjà interdite, elle aussi, elle va devenir encore plus interdite. Déjà deux interdits. Le fait que c'est une graisse interdite, le fait que c'est devenu du kadosh. Maintenant, moi, je n'avais pas le droit de manger cet animal. Parce qu'il était kadosh. Mais j'avais le droit de manger des shlamim dans les parts qui sont permises, qui me reviennent de droit. Je suis devenu impur. J'ai plus le droit de manger la viande permise. Le shlamim permis. Puisque j'ai un interdit sur la viande qui est permise, cet interdit va aussi me s'appliquer sur, de nouveau, sur la même graisse. Et on continue. Bon, pour le moment, j'ai le droit de manger, malgré tout, un sandwich au fromage. Arrive Yom Kippour, j'ai plus le droit de manger le sandwich au fromage. Ah, t'as plus le droit de manger le sandwich au fromage. Alors maintenant, Issour Kolel. Puisque, lorsque Kippour entre, tu vas t'interdire un certain groupe d'aliments qui étaient permis, eh bien, tu vas aussi interdire dans le même ensemble, tu vas aussi interdire les aliments qui étaient de toute façon interdits. Donc de nouveau, avec la même graisse qui était interdite, elle devient interdite maintenant à cause de Kippour, et parce qu'elle est devenue kadosh, et parce que je suis devenu impureté. Mais je suis devenu impur. Il reste encore un interdit que je n'ai pas évoqué, qui est notar. C'est un korban. Bon, la graisse, j'ai pas le droit de la manger, mais elle a le droit de monter sur le misbéach, elle, pour le moment. Elle doit monter sur le misbéach. Lorsque j'ai dépassé les limites de temps, même le misbéach ne peut plus la manger. Donc là, il y a eu le shem notar, le fait qu'elle est devenue un reste, elle est devenue encore plus interdite. Ah, l'interdit non notar a pu s'impliquer, il va me concerner aussi, dans ce cas-là, je vais transgresser tous les interdits. Et maintenant, il reste encore un dernier cas de figure. C'est lorsqu'il y a une chose permise. Et qu'il va y avoir en même temps, au même instant, deux causes qui vont devenir interdites. Deux causes qui vont l'interdire, qui vont venir toutes les deux en même temps. Alors là, on laisse les deux s'appliquer. C'est ce qu'on appelle le Issour Batachat. Les deux qui tombent en même temps. En l'occurrence, à Shabbat, l'interdit de porter à Shabbat et l'interdit de porter à Yom Kippour. Au même moment, entre Shabbat et entre Yom Kippour. Et chacun, il vient avec sa cause interdit de... en interdisant de porter dans la voie publique. Eh bien, dans ce cas-là, on va être concerné doublement. Lorsqu'on va être porté à Shabbat qui va tomber à Kippour, on va être concerné un double interdit. On sera passible de deux chiouv karet. J'espère que c'était assez clair, Bezrat Hashem. Et pour demain, on va commencer à parler des incestes avec des cas de figure affolants. On va se retrouver avec une même femme. On va être passible de 6 voire 7 chataot, comme ce qu'on va voir demain, qui sont toujours liés à cause de ces règles de Issour Kolel, Issour Moussif. Selon le même principe, on aura l'occasion de découvrir tout ça dans la chaîne demain. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.